Day 18, chapter 18, the magical to-do list. Okay. Chapitre 18, la liste de choses à faire magique. Okay. La liste de choses à faire magique, the to-do list. There's one Aiden. Philipots, Aiden Philipots, okay, 1862 to 1960, okay, 98 years, novelist and poet, Aiden Philipots, who said, "The world is full of magical things, waiting for our wits to grow sharper." Okay, the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Okay. Donc, il y a ce romancier et poète qui s'appelle Aiden Philpotts, qui est né en 1862 jusqu'à 1960. Déjà 98 ans. Alors, il a dit, le monde est plein de choses magique. En attendant que notre esprit grandisse et devienne plus pointu. D'accord? Allez, on va voir maintenant. Really, when you think about it, gratitude. Okay. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. Ok. Quand on y pense vraiment, la gratitude est votre meilleur ami. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Je refais la phrase du début. Quand on y pense vraiment, la gratitude est votre meilleur ami. C'est toujours là, hein? Elle est toujours là pour vous, toujours disponible pour vous aider. Elle ne vous manquera jamais, ni ne vous laissera vers le bas. Et plus vous vous appuyez dessus, plus elle fera pour vous, et plus elle enrichira votre vie. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. La pratique magique d'aujourd'hui vous montrera comment s'appuyer encore plus sur la gratitude afin qu'elle puisse faire des choses beaucoup plus magiques pour vous. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Chaque jour, de petits problèmes de vie surgissent et doivent être résolus. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Parfois, nous pouvons nous sentir dépassés si nous ne savons pas comment résoudre une situation. Sometimes we can feel, okay, c'est la même chose. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do. And you are at a loss because there are only 24 hours in the day.
Peut-être votre problème est que vous n'avez pas assez de temps pour toutes les choses que vous devez faire. Et que vous êtes perdu parce qu'il n'y a que 24 heures sur une journée. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. Il se peut que vous vous sentiez dépassé par le travail et vous voulez plus de temps libre, mais vous ne voyez aucun moyen d'en avoir. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. Vous êtes peut-être à la maison en train de vous occuper des enfants et vous vous sentez épuisé et rempli, mais vous n'avez pas les moyens d'obtenir de l'aide pour vous donner du temps de plus. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. Vous êtes peut-être confronté à un problème qui doit être résolu, mais vous n'avez pas idée de quel côté se tourner pour le solver. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Vous avez peut-être perdu quelque chose et essayé votre mieux pour le localiser, mais n'a pas eu de chance. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. Ou vous voudrez peut-être trouver quelque chose comme l'animal de compagnie parfait, la babysitter parfaite, le super coiffeur ou le dentiste ou médecin incroyable. Et malgré tous vos efforts, vous n'avez pas été en mesure de trouver ce que vous avez besoin. You can be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Vous pourriez être dans une situation inconfortable à cause de quelque chose qu'une personne vous a demandé de faire et vous ne savez pas comment y répondre. Or you could be in some kind of dispute with someone. And instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. Ou vous pourriez être dans une sorte de dispute avec quelqu'un, et au lieu de le résoudre, les choses semblent empirer. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Cette pratique de la liste de choses à faire magique vous aidera avec n'importe quel petit problème quotidien, quand vous ne savez pas quoi faire, ou quand vous voulez simplement quelque chose à faire pour vous-même.
vous serez surpris par les résultats. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. Lorsque vous combinez le pouvoir magique de la gratitude avec la loi d'attraction, les personnes, les circonstances et les événements doivent être réorganisés pour faire ce que vous voulez finir pour vous-même. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not our job. Vous ne saurez pas comment cela se passera, ni comment cela se fera pour vous. Et ce n'est pas votre travail à calculer là-dessus. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen. Votre travail consiste simplement à être aussi reconnaissant que vous pouvez être pour ce que vous voulez maintenant, comme si c'était déjà fait. Et puis, laissez la magie opérer. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. And title your list the magical to-do list. Aujourd'hui, créez une liste de choses à faire par écrit. Des choses les plus importantes que vous voudriez et que vous aimeriez être fait pour vous ou résolu pour vous. Et intitulez votre liste la liste des choses à faire magique, the magical to-do list. Hein, on met ça comme titre en haut. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Vous pourriez mettre des choses sur votre liste que vous n'avez pas le temps de faire. Ou que vous ne voulez pas faire, ainsi que tous les problèmes actuels. Des plus petites choses quotidiennes aux plus grandes situations de la vie. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. Pensez à n'importe quel domaine de votre vie où vous avez besoin de quelque chose de résolu ou fait pour vous. When you have finished making your list, choose three things. From your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you.
Lorsque vous avez terminé de faire votre liste, choisissez trois choses dans votre liste pour se concentrer sur aujourd'hui. Et une à la fois, imaginez que chaque élément a été magiquement fait pour vous. Imagine that all the people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. Imaginez que toutes les personnes, toutes les circonstances et tous les événements ont été amenés à le faire pour vous. Et c'est désormais chose faite. All done, all sorted, all solved for you. And you're giving massive thanks in return for it having been done. Tout fait, tout trié, tout est résolu pour vous. Et vous remerciez énormément en retour d'avoir été fait. Spend at least 1 minute on each of your free items. Believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Passez au moins 1 minute sur chacun de vos trois éléments. Croyant ces faits et ressentant une immense gratitude en retour. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Vous pouvez suivre la même pratique sur les restes des éléments de votre liste à un autre moment. Mais il y a du pouvoir de simplement mettre les choses que vous voulez faire sur la liste de faire magique. Je refais la phrase. Il y a du pouvoir de simplement mettre les choses que vous voulez faire sur la liste des choses à faire magique. À chaque fois, je vous dis, il y a du pouvoir, il y a de la magie à chaque fois quand vous allez écrire, surtout. Ce n'est pas juste penser. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis d'écrire. OK? Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. N'oubliez pas que la loi d'attraction dit le semblable s'attire. Et cela signifie que lorsque vous êtes reconnaissant pour les solutions comme si vous les aviez, donc vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin dans votre vie pour résoudre la situation. Focusing on problems attracts more problems. Se concentrer sur des problèmes
va attirer encore plus de problèmes. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Mettez ça bien dans votre cahier, souligné, encerclé et dans votre tête, dans votre esprit. Comme si stamper cette phrase dans votre esprit. Mémorisez ça, cette phrase. Et gravez cela dans votre tête. Vous devez être un aimant pour votre solution. Et non pas un aimant pour votre problème. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. Être reconnaissant d'avoir la solution et qu'elle a été résolue attire la solution. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. Pour vous démontrer à quel point cette pratique magique est puissante, je veux partager une histoire avec vous de ma fille qui a utilisé cette pratique pour attirer son portefeuille perdu vers elle. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it has been stolen. It had been stolen. Après être sortie une nuit, ma fille a découvert le lendemain matin qu'elle n'avait pas son portefeuille. Et elle ne savait pas où elle était, où elle aurait pu perdre le portefeuille, ou même si elle avait été volée. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Elle a appelé le restaurant où elle est allée dîner, la compagnie de taxi qu'elle utilisait pour rentrer à la maison, le poste de police local, et elle fouilla les rues et frappa aux portes environnantes. Mais personne n'avait trouvé son portefeuille. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information, because she had been overseas for some time.
Outre le fait que le portefeuille de ma fille contenait les choses précieuses qu'il contient, y compris toutes ses cartes bancaires et crédits, son permis de conduire et de l'argent. Mais sa plus grande préoccupation était que son portefeuille ne contenait aucun contact actuel d'elle, car elle était à l'étranger depuis un certain temps. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. Elle n'avait pas un numéro de téléphone répertorié publiquement et avec un nom de famille commun. Et il semblait être sans espoir. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. Mais malgré les obstacles apparemment impossibles, ma fille s'est assise, ferma les yeux et eut une image de son portefeuille dans sa tête. She visualized that she was holding her wallets in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents. And she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back in her hands. Okay. Elle a visualisé qu'elle tenait son portefeuille dans ses mains. Elle a ouvert son portefeuille. Elle parcourut tout son contenu. Et elle ressentit une énorme gratitude d'avoir eu son portefeuille et tout ce qu'il y a dedans est dans ses mains. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands. And she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Pour le reste de la journée, chaque fois qu'elle y pensait, encore une fois, ma fille imaginait qu'elle avait son portefeuille dans ses mains. Et elle ressentit une énorme joie et gratitude que son portefeuille lui a été rendu. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. Plus tard dans la nuit, elle reçut un appel d'un fermier qui vivait plus que 100 kilomètres de là où elle habitait, disant qu'il avait trouvé son portefeuille. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning. And he immediately searched the wallet looking for contact details. La partie extraordinaire de cette histoire est que le fermier avait trouvé le portefeuille dans la rue devant la maison de sa fille aux petites heures du matin. Et il a immédiatement fouillé le portefeuille à la recherche des coordonnées.
He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Il a passé plusieurs appels en essayant de trouver le propriétaire, mais en vain. Et donc, il a abandonné et il est reparti vers sa ferme avec le portefeuille. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him. And he decided to search through it one last time. Mais pendant qu'il se promenait dans les champs de sa ferme, le portefeuille, comme si l'harcelé et harcelé à chaque fois dans sa tête. Et il a décidé de le parcourir une dernière fois pour chercher les détails à l'intérieur. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. Il a trouvé un petit morceau de papier avec le nom chrétien d'un homme écrit dessus. Et ainsi, il a mis le nom chrétien avec celui de ma fille. Ok, il a mis le nom chrétien avec celui du nom de sa fille, avec le surnom, et appelé l'assistance annuaire. There was just one listing for that Christian name and surname. Il n'y avait qu'une seule liste pour ce prénom et nom. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. Le fermier a appelé le numéro de téléphone et c'était la maison du père de ma fille. To this day, we do not know how the farmer got that phone number, because it was an unlisted number. À ce jour, nous ne savons pas comment le fermier a obtenu ce numéro de téléphone, parce que c'était un numéro confidentiel. We called directory assistance ourselves several times after this happened. And the response every time was, sorry, there is no listing for that name. Nous avons nous-mêmes appelé l'assistance annuaire plusieurs fois après que cela se soit produit. Et la réponse à chaque fois était, désolé, il n'y a pas de liste pour ce nom. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. À plus de 100 km de là, à travers la séquence la plus extraordinaire des événements, apparemment impossible, le portefeuille de ma fille lui a été rendu intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happened, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. Elle a rempli sa part
en étant reconnaissante d'avoir récupéré son portefeuille. Et comme cela doit arriver, la gratitude a opéré sa magie et a bougé chaque personne, a bougé chaque circonstance et a bougé chaque événement pour lui rendre son portefeuille. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it has always been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Vous pouvez également utiliser le pouvoir magique de la gratitude. Et il a toujours été. Il vous suffisait de le découvrir par vous-même et apprendre à l'utiliser. Magic practice number 18. La magique pratique numéro 18. The magical to-do list. La liste de choses à faire magique. Notre appel d'aujourd'hui, numéro 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you for and feel gratitude for that blessing as you can. Numéro 1, comptez vos bénédictions. Faites une liste de 10 bénédictions. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Relisez votre liste et à la fin de chaque liste, chaque bénédiction, dites merci, merci, merci. Et soyez aussi reconnaissant pour cette bénédiction que vous pouvez. Numéro 2, number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. Numéro 2, créer une liste écrite des choses ou des problèmes les plus importantes dont vous avez besoin de faire ou résolu. Ensuite, intitulez votre liste La liste de choses à faire magique. Choose three of the most important things from your list. And one at a time, imagine that each thing has been done for you. Choisissez trois des choses les plus importantes de votre liste. Et une à la fois, imaginez que chaque chose a été faite pour vous. Spend at least 1 minute. On each thing, believing it is done, and feeling enormous gratitude in return. Passez au moins 1 minute sur chaque chose en croyant que c'est fait et ressentant une énorme gratitude en retour. Just before you go to sleep tonight, hold your magic hand, your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, thank you, thank you for the best thing that happened during the day. Juste avant d'aller dormir ce soir, tenez votre roche magique dans une main et dire le mot magique, merci pour la meilleure chose qui soit arrivé pendant la journée. D'accord? Donc, voilà notre chapitre 18. OK. Qui prend fin. OK, aujourd'hui, vous pouvez faire votre liste de choses
que vous voulez faire de votre vie et spécialement votre liste de petits problèmes, des petits soucis, okay, des petits tracas, comme on dit à Maurice. Okay. Donc, on va faire une liste des petits problèmes qu'on a dans notre vie. Et le plus important, c'est vous choisissez trois choses à la fois et passez une minute là-dessus. Fait comme si votre problème a été réglé. Fait comme si la chose a été faite. Fait comme si le problème a été résolu. OK? Donc voilà notre chapitre d'aujourd'hui. OK? Sur la liste de choses à faire magique. The magical to-do list. OK? Voilà. Good. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. Merci et passez un bon dimanche.